Attention à ce corner. Dévié. Est-ce qu'il va la remettre rapidement dans la boîte Badalane? C'est bien le centre. Pour qui? Pour personne. C'était. Attention à cette tête! Et la transversale! Et encore une fois, l'ouverture du score! Oh là là, ce qu'il a fait en deux temps! Farouli, c'est superbe après. D'abord se retourner acrobatique et puis voilà, il lui offre cette ouverture du score. Il fallait trouver cette faille, il fallait trouver le moyen d'ouvrir le cadenas de cette équipe mauritanienne. Il la met d'abord sur la transversale, après il la met le plus. C'est bien ce qu'a fait Vorouli, il est passé devant, il a passé la jambe pour empêcher la frappe bien défendue de la part. Attention, c'est la égalisation en surprenant ce qui vient de se passer. C'est vraiment surprenant. Moi-même, j'ai été surpris. C'est vous dire pourquoi Oukedja l'a été. Regardez la joie des joueurs mauritaniens. Et il est furieux, Jamel Belmadi. Mais sur cette action, alors qu'il avait. Coupus rayonnant que Boulaya. Et puis, Riyad, en parlant du but égalisateur de la Mauritanie. Je voudrais tout simplement dire que... Attention à Slimani, peut-être, il sait qu'il va sortir. La passe décisive, et le second but. Le doublé signé Farouli. Et il répond coup sur coup après cette égalisation. Et Slimani qui n'a pas eu de chance aujourd'hui. Et voilà la passe décisive. Super ce qu'a fait Slimani. Et la vista aussi de Zino Farhat qui voit Slimani tout seul. Slimani en bon joker qui donne donc Slimani, le caviar. Slimani avant de sortir se permet le luxe de donner une passe décisive avant de quitter le terrain. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est la réponse du berger à la bergère. Donc on s'en a senti que Slimani, malgré qu'il n'ait pas marqué aujourd'hui à Riyad, mais il a donné Martins. Contre un. Et l'Algérie qui mène ici à Tchaker 2 buts à 1 alors qu'on joue l'heure de jeu. Attention à ce ballon fuyant, il ne va pas sortir. Zino Farhat va pouvoir contrôler tranquillement. Il va essayer. Oh, le contrôle orienté extérieur du pied. Pour qui? Ballon trop fuyant. La tête et troisième but. Attention au troisième but. Oh là là, troisième but. Superbe. Ounes qui la place sous la transversale. Superbe action. Mais quelle action! Quelle action au départ de Zino Farhat! Alors, je connaissais le relâf intérieur du pied de. Et ça, c'est le relâf extérieur. Et ça, c'est le relâf extérieur du pied de Zino Farhat. Allez, regardez, regardez ça. Oh, super! Magnifique. Relâf extérieur. Magnifique. Et puis, celui qui a bien joué le coup, bon. C'est sur Bounjah. Il laisse le ballon sur Adam Lounen. La montée de balle avec Farouli qui donne pour Barahma pour son premier ballon. Barahma, voilà le duo Rané Bounjah pour Belaïli pour son premier ballon. Belaïli qui va crocheter, il rentre dans la surface d'opération. Belaïli qui stoppe. Oh là là, magnifique! Qu'est-ce qu'il a fait? Il touche le ballon, mesdames, messieurs, pour la première fois. Passement de jambe et il rend la politesse au cas de l'Hamri. Bagdad Bounjah pour le 4-1. Superbe action individuelle de Belaïli et Bounjah. La connexion oranaise. Oui, tout à fait. C'est des joueurs qui se connaissent parfaitement. Qu'est-ce que vous avez, Lionel? Il fait semblant de centrer. Il le met dans le vent complètement. Le crochet le met dans le sens du but. Il lève la tête. Il a vu Bagdad Bounjah. Et.